de perdre, ça c'est clair. Donc, on venait ici pour prendre des points, on n'en a pas, et évidemment, je suis déçu. On va l'aborder avec la ferme intention de prendre les trois points. Et je vous ai dit hier qu'on était dans un championnat, dans un mini-championnat, et l'essentiel, c'est de terminer premier de ce championnat. Donc, pour l'instant, on est deuxième. Il reste trois matchs à jouer, donc voilà, rien n'est perdu. On garde encore notre destin en main, c'est-à-dire qu'on ne dépend pas des résultats des autres, on dépend de nos propres résultats. Donc si on bat la Tunisie mardi, on reprend à nouveau la tête du championnat. Coach, à la mi-temps, un but partout, vous revenez d'emblée, vous prenez c'est bien là où réside la plus grande déception, parce que justement à la mi-temps on tire les oreilles, on était mal rentré dans le match, on avait mieux terminé, et à la mi-temps j'ai insisté pour qu'on puisse recommencer cette seconde mi-temps dans la même concentration qu'on avait terminé, et puis on encaisse le même but que le premier, c'est-à-dire un décalage, on ne suit pas. Donc voilà, c'est là où il y a un peu de colère, mais bon voilà, il faut repartir, c'est fait, et corriger pour que mardi ça n'arrive plus. Il nous a manqué de l'agressivité, de la bonne agressivité pour récupérer les ballons, parce que cette équipe tunisienne manie bien le ballon. Si on les laisse jouer, ils sont très dangereux. Donc ça nous a quand même manqué. Et puis on a vu qu'en milieu de première mi-temps, quand on a élevé le rythme, on a pu casser un petit peu le jeu de cette équipe. Donc il faut qu'on reste aussi un petit peu plus simple, parce qu'on a eu nos attaquants qui se sont compliqués la tâche. Au lieu d'aller droit au but, on a essayé de faire des passements de jambes qui n'ont pas servi à grand-chose. Donc voilà, il faut rectifier. Coach, comment vous qualifiez le match ? Décisif pour nous. Voilà, s'il y a un qualificatif, je dirais décisif, parce qu'une défaite nous éliminerait. Je crois que il y a personne qui se réveille qui est là toute l'année du 1er jusqu'au 31 en meilleur de sa forme. Aujourd'hui, il est passé à côté, ça arrive. Mais ça n'enlève rien aux qualités de Jordan et Coco. Ce sont des choses qui arrivent. Question, c'est fini. Vous avez la question ? Juste pour Radio France, pour le match retour. 5-4-2-1-0. Coach. Je vais parler d'abord à mes joueurs. Si je vous dis tout, Malou, il n'est pas bête. Donc, on va parler. On a vu cette équipe jouer. Elle nous a fait mal. À un moment aussi, nous, on leur a fait mal aussi. Donc, on va essayer dans 4 jours d'être plus forts dans nos points forts et pousser cette équipe à concéder une défaite. Coach, merci. Merci à vous.